Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de rediffusion préférée. Aujourd'hui, il est plus que temps d'aborder la dernière vidéo sur le j'emmène des au Japon pour juger. Voilà. Il faut qu'on parle de la vidéo poissonnier parce que je vous l'annonce dès le début de cette vidéo, c'est la vidéo qui m'a coûté le plus cher. Et là tout de suite, les enchères, mesdames et messieurs, à votre avis, combien a coûté cette vidéo? Non, ça m'a coûté 11 000 euros. Cette vidéo, tout cumulé, 11 000 euros. Et je compte pas la post-prod parce que, bah, du coup, c'est mes employés. Mais tout ce qui est pré-prod, organisation, machin, c'est tout moi. J'aime bien le répéter, mais j'ai pas de boîte de production, j'ai pas d'assistant dans tous les sens qui m'aide là-dessus. C'est moi qui fais ça avec un cadreur, du coup, qui m'assiste, lui, pour le coup, bah, forcément, pour cadrer tout ce qui va être cadré. Et encore, lui, il a l'habitude de travailler avec moi, donc du coup, il sait très bien quels sont mes besoins et comment il va travailler sur ces vidéos. Et c'est Rodolphe. Voilà, je vous le dis, c'est Rodolphe qui fait d'ailleurs la partie en France et au Japon. Bref, et c'est parti, on commence. Alors comment l'aventure a-t-elle commencé? Il faut remonter au moment où j'ai sorti la vidéo sur les bouchers. Et quand j'ai sorti la vidéo sur les bouchers, écoutez, elle a tellement explosé que je me suis retrouvé avec pas mal de demandes en vérité de plein de métiers artisanaux français, que ça soit des gendarmes, des ébénistes, que ça soit des viticulteurs, des ostréiculteurs, et j'en ai reçu plein. Et forcément le format qui paraissait le plus logique à faire, c'était le je plaisante. Les gens qui veulent me voir faire une vidéo sur j'emmène des œnologues machin pour juger le vin au Japon, c'est juste que pour moi c'est pas une bonne idée parce que ça parle d'alcool. Bref, il y a cette fameuse du coup vidéo qui est sortie, j'ai plein de demandes et il y en a une qui pour moi est assez logique, c'est de faire une vidéo sur les poissonniers. Et celle-ci, elle est un peu spéciale parce que en fait si vous voulez par rapport à toutes mes autres vidéos, le pain et le fromage, forcément la France est meilleure. Tu peux pas débattre, tu vois, c'est forcément le pain et le fromage en France sont meilleurs qu'au Japon. La viande, déjà, on sent qu'il y a un savoir-faire à la française et un savoir-faire à la japonaise et ça se bat un petit peu. Mais quand tu arrives sur le poisson, déjà c'est beaucoup moins populaire que la viande le poisson en France. On est un des pays qui a le plus de côte maritime au monde, et pourtant on n'est pas très poisson, ce que je déplore beaucoup d'ailleurs. Mais bref, il y a moins de hype sur le poisson, et surtout, le poisson, c'est la signature, c'est beaucoup plus hype et beaucoup plus consommé au Japon. Donc fatalement, le savoir-faire japonais risque d'être au-dessus du savoir-faire français. Maintenant, je me dis, qui je choisis? J'ai plusieurs profils différents, etc. J'ai même pas fait de demande ni quoi que ce soit. Je me retrouve avec plusieurs profils, et il y en a un qui retient mon attention. Bonjour monsieur, Yann Le Bourdennec m'a vivement recommandé de vous envoyer un email. Je suis un poissonnier à Paris et collabore avec plusieurs chefs japonais afin de renforcer l'héritage et transmettre cet artisanat. Nous sommes la poissonnerie Viotte, spécialisée dans la conservation sans glace, et il serait je crois formidable d'allier nos talents pour faire connaître notre technique, notamment de maturation, et le métier. Pensez-vous que nous puissions nous contacter très prochainement? C'était en réalité, vous avez compris, un ami du jeune boucher, donc du fils boucher, qui m'a envoyé ça. Et je me suis dit, waouh, c'est stylé. Ensuite je me suis intéressé forcément parce qu'il m'a dit conservation sans glace. Et là ça m'a tilté tout de suite parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'a marqué de fou furieux. Toute ma vie. Pourquoi? Tu vas au marché chez le poissonnier, ça pue la mort. Tu vas dans un restaurant de sushi où il y a du poisson partout, ça ne sent rien. Donc le fait qu'ils me disent « Waouh, poissonnerie sans glace », je me suis dit « Oh là, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» J'ai googlé ça, je suis tombé sur des reportages où justement il s'exprimait devant la caméra et je me suis dit « Oh, ça c'est un gros plus, il peut s'exprimer devant la caméra. » Et donc je lui ai dit tout simplement « Écoute mec, allons-y, on s'est rencontrés, j'ai pris les billets, tout s'est décidé en peut-être 48 heures. Je les ai rencontrés mercredi soir, j'avais pris les billets. Et c'est parti! Bonjour à tous! Bonjour! Ça va bien? Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir chez vous. J'avais hâte en vérité de tourner cet épisode. Bah écoute, nous aussi on est ravis, t'arrives en plein nettoyage des poissons. Donc moi c'est Arthur, j'ai fait des études de droit. Oui, j'en ai pas parlé. Chose très intéressante, c'est une reconversion professionnelle. Je trouvais les profils vraiment trop intéressants. Non seulement ils essayent de révolutionner un petit peu à leur échelle le métier de la poissonnerie, et en même temps c'est une reconversion professionnelle pour non seulement du coup lui et sa femme, et je trouve ça mais vraiment trop stylé. Les fameux oursins. Voilà, les beaux oursins de Saint-Jean-de-Luz. Oh, en fait, qu'est-ce qu'ils étaient bons, putain, la vache. Donc nous, on épure le poisson le plus possible, une fois que les nageoires sont enlevées. J'adore aussi, encore une fois, je me répète avec les autres formats, mais j'aime trop pouvoir découvrir ce genre de métier, parce que on croit, on consomme du poisson, on consomme de la viande, mais on connaît pas vraiment ce qui se cache derrière, et c'est trop bien de voir les techniques, de comprendre les défis, de comprendre tout ça. Ça m'a aidé à mieux déguster le poisson. Mon produit préféré, je pense que c'est le thon rouge. Je suis forte dans le décortiquage des araignées. Qu'est-ce que je maîtrise le mieux? Tout. Et il a pas dit la même chose. Quand il a fallu prendre le couteau là dans la poissonnerie au Japon là, il a pas dit la même chose. Malheureusement Marie-Victoire, tu ne pars pas au Japon. C'est pas moi qui pars au Japon parce que j'ai des... La gueule de certains commentaires. Oh là 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 là. Ah les femmes, voilà. Ça peut pas partir parce que l'homme ne veut pas. Pourquoi c'est la femme qui reste? Hey, ils ont décidé ça dans leur couple, laissez-les tranquilles, forcément. Bien sûr qu'elle a un peu le seum de devoir rester en France, mais ils allaient pas abandonner leurs enfants non plus pour rien. Oh, vous me faites souffler. Ils ont pas eu de problème entre eux. Pourquoi vous créez des problèmes? Voilà, je m'adresse bien sûr que aux personnes qui étaient désobligeantes vis-à-vis de ceci. Du mot et que je dois m'en occuper, voilà. C'est moi qui vais remplacer Marie-Victoire pour partir au Japon. Merci beaucoup Marie-Victoire. Je pense que la pression tu l'auras surtout, enfin vous l'aurez surtout avec les chefs. C'est parti pour le Japon. C'est parti, let's go pour la sponsor Revolut.
Bon, vous avez la classique, hein. Je vais d'abord faire combini, supermarché et poissonnerie de quartier. J'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'en fait c'est la partie la plus simple, même si c'est super long. Mais dans cette histoire là, eh bien vous allez voir que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Parce que y a la vidéo à la fin là, elle est magnifique. Je vais vous le dire, elle est magnifique la vidéo. À la réalisation, c'est passé à ça de justesse pour tout, sauf cette partie-là au studio, parce que là forcément c'est du supermarché, c'est le combini, c'est la poissonnerie du coin, il n'y a pas d'autorisation à demander. On passe au poisson. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs d'être venus jusqu'au Japon, ça fait plaisir. Ah oui, et les rushs du coup de la partie dégustation en studio, ça fait 2 heures. Pour 8 minutes. Merci à toi, monsieur, bien. Monsieur, oui. Merci, oui. Monsieur. Écoutez, on va commencer bien sûr. Regardez le sourire de Quentin, moi j'adore, regardez les. Tu vas nous aider à tout goûter quand même. Bien sûr. Oui, c'est stressant, vous avez vu, en fait, quand tu passes ta carte au Japon, pour dire que t'as payé, c'est rouge. Alors que rouge, pour moi, c'est ton paiement est refusé, du coup, ça m'a fait stresser de ouf au début, bref, maintenant vous savez. Ça rappelle un peu, en fait, les macros qu'on a en boîte ou des choses ouais. Comme ça, c'est vrai. Je vous le dis, moi, honnêtement, le niveau était vraiment m'impressionner énormément, parce que c'est le genre de produit que je prends jamais au combini, parce que, j'ai d'autres trucs que je préfère. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de produits, je me suis dit, waouh, le niveau de qualité qu'il y a au combini, quand même, c'est vraiment des fous, les Japonais là-dessus. Regardez-moi. Ouh là, il y a des belles choses. Oui. On n'a même pas tout testé, hein. C'est que du talaco, mesdames et messieurs. Non, pas du tout. Oh là là. Ouf, quand même, de vous dire, là, tu vois, c'est genre à peu près pour 1€, tu peux avoir ça n'importe où au Japon. Putain, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Déjà, c'est ferme. Ouais, le poulpe, j'étais très surpris. C'était vraiment très bon. Préparé comme ça en supermarché, mais généralement, c'est pas ouf. Parce que là, c'est quand même ça. Tu vois, regardez, il est trop content. Il est trop content, Quentin. C'est tendre. Mais surtout, le goût est pas effrayant. Ouais, 1€, avoir du poulpe comme ça, franchement, j'en reprendrais. Réveillez-vous, la grande distribution. Hein. En vrai, c'était vraiment bon. Ça, ce sont des anguilles. Oh là là, elles sont magnifiques. Ah ouais, là, le poisson entier, c'est ouf. Écoute, ils sont plutôt. Là, je vous jure, j'ai raccourci la séquence parce qu'ils sont restés dans le supermarché, mais tellement longtemps. Ils voulaient plus partir, mais je comprends, en fait, pour eux, c'était tellement différent par rapport à ce qu'ils connaissaient. En fait, ils sont en mode, mais what the fuck? Des poissons entiers, vraiment, ça les a beaucoup marqués. Et encore une fois, un truc qui les a beaucoup marqués, comment les Japonais y font pour ne pas avoir de rejet d'eau? Il y a le poisson et ça absorbe, et ça, j'ai fait des recherches, mesdames et messieurs, là-dessus. En vérité, la raison pour laquelle au Japon, ils font tout ce genre de choses avec les barquettes, c'est que, en fait, les barquettes au Japon, elles sont particulières. Ce n'est pas n'importe quelle barquette. Ce sont des barquettes qui sont étudiées scientifiquement. Vraiment, il y a des études qui ont été faites pour que ça absorbe non seulement le jus, mais aussi l'odeur, et que ça dégaze pas l'humidité, et donc, du coup, qu'il n'y ait pas de buée sur le film plastique. J'avoue, ça me tente un peu. Alors, le supermarché, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, il a un sourire, Quentin, à chaque fois, c'est incroyable. Il est temps qu'on meure de gloire, Arthur. Dis-nous ce que t'as à dire là-dessus. Bah, alors, déjà, je sais pas si vous avez remarqué. Il commence un podcast. Mais elles sont conservées dans l'eau, en barquette. Et alors ça, c'est impensable. Nous, c'est en huîtres fermées, avec les coquilles. C'était des huîtres à faire cuire. Eh, vous savez, je lis pas forcément l'emballage à chaque fois. C'était écrit, fallait les faire cuire. Donc bon, on n'a pas eu de problème, la preuve, tout s'est bien passé. Mais normalement, effectivement, même au Japon, une huître comme ça, elle est pas dans son bain, tu vois. Je suis d'accord, je suis en train de les manger et mon cerveau me dit, il y a un problème. Oui, oui, bah oui, il y a un problème, oui. Bah, on est obligé de prendre du thon, je pense aussi. Et du foie de lotte. Ah, ça c'est génial. Ils mettent les coquillages dans de l'eau de mer et c'est normal. Là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les poissons qu'on a vus au supermarché étaient plus jolis. On s'est fait marrer là avec le monteur, on s'est dit vas-y on met un effet comme ça. Parce qu'en fait c'est un peu horrible mais d'habitude c'est toujours crescendo. Et là la poissonnerie, c'était pas terrible, le supermarché était mieux quoi. Donc ça faisait un peu du mal au cœur parce que t'es une petite mamie, un petit grand-père qui tenait le truc. T'avais pas du tout envie de les descendre. Donc t'étais en mode, ah non, c'est dommage. De retour de la poissonnerie, ils étaient trop sympas. C'est ouf. Adorable. Très accueillant. Pour le ton, sans qu'on ait passé à un autre niveau tu vois. Non Louis, tu dis ça mais c'est faux, il était moins bon. Ok. C'était... la première partie, on va passer maintenant aux origines du poisson. Let's go. Bon, il est temps maintenant que je vous explique ce qui s'est réellement passé parce qu'il y a 3 séquences qui vont suivre. Il y a la pêche, il y a la partie au marché de Toyosu, donc du coup la partie poissonnerie générale, et la partie sushi. La partie sushi, c'était la moins inquiétante parce que du coup j'avais déjà le contact du fameux chef sushi que j'ai au Japon qui est Aoki-san. Aoki-san vraiment qui m'a vraiment l'idée, merci beaucoup à lui. Et c'est lui qui m'avait dit qu'il pouvait me faire entrer en contact avec un poissonnier de Toyosu. Donc du coup, ça, c'était quasiment acté. Mais le problème, c'est qu'en fait, au Japon, rien n'avance si tu n'es pas là physiquement. Genre, si t'es pas là physiquement, il ne se passe rien. Donc du coup, je lui avais beau envoyer des messages, en fait, mais bien avant, des semaines avant, en disant « Ouais, je viens avec des poissonniers, etc., machin, est-ce qu'il y a moyen de venir filmer, etc., et de documenter un peu ça, de faire une rencontre avec des poissonniers français et des poissonniers japonais ?» Je lui ai demandé ça, il m'a dit « réfléchissons-y quand vous viendrez au Japon ?» Bon, d'accord. Le jour même où j'ai atterri, direct, je suis allé le voir. Je suis direct allé dans son restaurant de sushi. Donc du coup, je me déplace de chez moi jusqu'à son restaurant, je viens le voir, je lui explique le projet, il dit « bon projet, je vais lui en parler ».
Pourquoi tu as attendu? Il est très gentil, hein, vraiment, il n'y a pas le problème, il est très gentil, mais c'est là où parfois je me heurte au système de fonctionnement japonais et je me heurte tous les jours dessus. Alors qu'en France, vraiment, un mail, c'est bon, c'est terminé. Je peux réserver les billets, il y a tout qui est organisé, les passeports, les machins, les trucs, on part au Japon, c'est parti l'hôtel. Au Japon? Voyons. J'ai deux termes techniques en fait pour deux systèmes de travail qu'ils ont au Japon. Le premier, c'est le poussiérage de dossier. C'est-à-dire que le dossier, on le récupère, il faut qu'il prenne un peu la poussière, tu sais, avant qu'on l'ouvre. Et le deuxième, c'est ce que j'appelle du sniffage de cul. En fait, c'est par rapport aux chiens, vous savez, pour s'identifier, ils doivent se renifler un petit peu pour savoir qui ils sont. Et bah au Japon, ils sont un peu comme ça. Alors je vous explique pourquoi, c'est parce que le chef sushi m'a dit oui, non, oui, non, oui, non. Vraiment, jusqu'au dernier moment, j'étais vraiment en stress complet de savoir si j'allais avoir cette séquence à la poissonnerie. Enfin, au marché de Toyosu, pardon. Parce que, bah du coup, au début, il me disait oui. Puis après, vu qu'il y a la caméra, elle me dit non. Et je sais que la caméra, c'est un problème. J'en ai conscience. Mais juste, pitié, j'aimerais être sûr. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Et du coup, j'étais un peu dans cette situation-là. J'étais extrêmement stressé parce que c'était une séquence qui était obligatoire pour moi. Il fallait un échange avec un poissonnier du marché de Toyosu. Et quand ils sont arrivés, le chef m'a dit écoutez, moi, je vais aller au marché là demain matin. Est-ce que vous pouvez pas venir rencontrer le poissonnier une première fois avec les poissonniers français? Et je me suis dit attendez, mais du coup, c'est pas validé? Parce que je pensais que c'était validé. Hein. Je pensais que c'était bon. Le poissonnier l'avait accepté. On pouvait voir ce qu'on voulait, machin. Du coup, réveil, 4h du matin. Je préviens les poissonniers comme ça. Allô, allô, oui, oui, demain matin, Toyosu, 4h du matin. On arrive, on débarque et je me dis, ouais, je me prépare mentalement. Je me dis, ok, il va falloir que je lui dise ça, il va falloir que je lui dise ça. Vraiment qu'on fasse une bonne impression. Donc, du coup, ils mettent leur tenue, ils ont préparé tout leur truc, tu vois. Ils sont vraiment nickel, chrome, clac, clac. On arrive au marché de Toyosu, on rencontre le poissonnier dit, oh, c'est vous? Oh, enchanté, oh, vous êtes des poissonniers français? Oh, c'est trop cool, machin. Ah, du coup, vous voulez faire ça quand? Quoi? Comment ça? Comment ça? Je me suis réveillé à 3h30 du matin. Et tout aurait pu être réglé par un message! Et là, le mec, je lui ai dit tout de suite! Dès le plus tôt possible! Il m'a dit, ah bah, dès demain, c'est bon, on peut! Dès demain, t'es ok? Donc voilà. Je comprends un petit peu l'idée, pourquoi ils voulaient faire tout ça, pour bien voir si on n'était pas des gens chelous, etc. Mais je me dis qu'une visio, éventuellement, avec les moyens de technologie du 21e siècle, il y avait peut-être quelque chose à faire, bref. Et je savais à ce moment-là que je ne pourrais pas avoir la salle aux enchères. Du coup, j'ai essayé de glisser, je fais ma technique en fait. Ma technique, vous savez, c'est pas de dire, est-ce que je peux avoir la salle aux enchères pour filmer dedans? Non, 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 non. Faut dire l'inverse. Ah, c'est dommage, hein, mais je sais, on pourra pas avoir la salle aux enchères. Et là, j'ai ça, il me dit, oh non, non, je vais manger, je vais manger. Et là, je me dis, mais c'est fantastique, et c'est toujours comme ça au Japon. Par téléphone, par mail et tout, les mecs sont en mode. Par contre, si tu t'adresses au patron, une fois que t'es là physiquement, là, le mec te dit, mais oui, y a pas de problème, ça, on va le faire, ouais, ça, on peut le faire aussi, ouais, on va le faire. Moi, non, je sais qu'il faut toujours atteindre le patron. Ça sert à rien de parler aux employés. Aux employés, ils te diront que de la merde, de toute façon. Touche le patron, et là, c'est bon, tu vas voir ce que tu veux. Mais il y a une autre séquence, celle qui s'apprête à arriver juste maintenant, c'est la partie pêche. Et la partie pêche. Oh là là là. Au début, j'ai demandé au poissonnier de Toyosu s'il y avait moyen d'avoir la partie pêche. Là, il m'a dit clairement, même le patron, il m'a dit là, c'est dead. Parce qu'en fait, c'est pas le même cœur de métier. Et on va dire ce qui est, c'est totalement une mafia. Ils se connaissent tous, c'est des cercles ultra fermés. C'est à part si tu es la télé japonaise, et encore, tu ne peux pas accéder à ce genre de choses. Donc moi, je me suis dit, ah, j'aimerais bien aller faire la pêche au thon. Forcément, c'est le truc le plus emblématique. Et ça se passe dans la ville de Omu, Oma. Je sais plus, bref, c'est sur le Honshu, mais du coup, tout au nord du Honshu. Sauf que le truc, enfin, ouvert pour les touristes, entre guillemets, ouvert à tout le monde, c'est uniquement, genre, sur 2 mois dans l'année. Uniquement les samedis, enfin bref, c'était pas possible, donc du coup je me suis dit bon, ça je peux pas l'avoir. Très bien, maintenant c'est quoi mes solutions? J'ai fouillé, parce qu'encore une fois je vous dis, y a pas d'équipe de prod derrière moi, hein, c'est moi tout seul qui fouille tous les jours, mais je passais des heures, hein. Et au bout d'un moment je me suis dit bon vas-y tant pis, pas grave, y aura pas de séquence pêche, tant pis ça. Et c'est là où du coup mon bras droit, Simon, me envoie un message pour me dire, ah c'est dommage qu'il y aura pas la pêche, c'était la partie que je voulais voir le plus. Et ça m'a foutu le seum, j'ai fait que de bosser, et là je me suis dit vas-y, déterre-toi encore une dernière fois Louis, t'as essayé 2 fois, vas-y, 3e fois tu fouilles encore sur tous les sites internet et t'essaies de trouver quelque chose. J'ai tout fouillé. J'ai trouvé un numéro de téléphone avec une vidéo d'un mec à Shizuoka qui justement part à la pêche. Et c'était pas un truc touristique parce que ça c'était un truc, un point important que je voulais. Je voulais pas un truc de touriste. Je fouille, je trouve, mais non. J'envoie un message au mec, aucune réponse. La dead end des poissonniers, elle se rapproche, mais vitesse grand V. Donc du coup, je suis dans une PLS, mais noire. Là, je tombe sur Fisherman Japan. C'est un site, je vois les mecs, ils sont tous jeunes, tous en mode, on veut changer l'image de la pêche. Ils sont tous motivés, tous, enfin, ils font des vidéos, ils font des photos, ils font des trucs trop bien. Je regarde leur site, je me dis, putain, c'est eux qu'il me faut. J'envoie un mail, pas de réponse. Je finis par les appeler, les mecs, je dis, allô, je veux me pêcher, laissez-moi pêcher. Les mecs, ils ont rien à foutre. Et ils m'ont dit, ah, d'accord, voyons-nous le 37 du mois. Mais le 37 du mois, c'est dans 6 semaines, monsieur, ils partent bientôt, là. Ah, d'accord, bah, voyons-nous dans 2 semaines, alors. J'ai dit qu'ils partaient dans quelques jours. Ah, bah, dans ce cas-là, ce sera pas possible. Et du coup, ça me frustre, tu vois. Je me dis, putain, j'ai l'occasion de les mettre en avant à hauteur d'une chaîne de 1 million d'abonnés pour que, justement, faire de l'émulsion, voilà, pour faire en sorte qu'il y ait plein de trucs qui se passent, pour qu'il y ait des rencontres, des trucs, et le Japon est toujours comme ça.
dire qu'on veut pas. Je me suis dit, bah tant pis, je pourrais pas avoir la séquence de pêche. Je me suis résigné et je me suis dit, vas-y, je vais appeler une dernière fois le mec de Shizuoka là pour voir et tout. Il me dit c'est bon. Et là je me dis mais non, pas possible. Et là je vous jure, le soulagement, je me dis let's go. C'est à Shizuoka, j'appelle les poissonniers français tout de suite, je leur dis c'est bon, on va pêcher. Quand? Demain, du coup on part. Voilà, du coup on est parti, etc. C'est parti. Le bateau. Oh, c'est beau, en plus il y a le lever de soleil qui va commencer ouais, à arriver bon, là. Oh là là, les images. J'ai le mal de mer. On est parti pêcher. J'ai passé 8 heures sur ce bateau. C'est fragile comme truc. Putain! Oh la vache! Oh regarde! Comment tu remontes, Quentin? C'est la première fois qu'il pêchait, hein, pour le coup. Allez, remonte! Oh la vache! Oh, je sais pas ce qu'il y a au bout, mais ça tire! Non, mais c'est quoi? Je suis accroché au fond ou quoi? Waouh! Non, mais ça tire! Allez! Oh non, ça a décroché! Oh non, putain! Oh là là, je suis sûr que c'était un truc stylé ce qu'il avait, j'ai trop le seum. Pas trop habitué, c'était vraiment une nouvelle pêche avec des cannes différentes que la France. Vous voyez la droite là, dans la cabine là, bah j'étais là dedans. Et en fait le truc c'est que même étant assis ou quoi, même dehors et tout pour prendre l'air, il y avait rien qui me soulageait. Et du coup je me suis dit le seul moyen de me soulager, bah c'est de me débrancher en fait. Et du coup j'essayais de dormir, et je dormais en fait. C'est comme ça que j'ai réussi à faire passer le truc. Claire. Louis la PLS. Et ouais, donc là on a vu vraiment le départ du poisson, vraiment depuis la mer. Et bien sûr, la majorité des poissons au Japon, lorsqu'ils sont pêchés, ils vont dans des marchés, et on va visiter le marché aux poissons le plus connu du Japon. Oh là là. Du coup là on était avec... Alors le patron c'est celui qui est à gauche et du coup le sous-chef c'est celui à droite. Ils ont chacun des spécialités différentes. Du coup celui de gauche lui il est spécialisé dans les poissons, tout sauf thon. Et à droite lui était surtout spécialisé dans crabe. Et donc là vous voyez on a les tenues de écrit Yamahachi. D'ailleurs ça m'a fait beaucoup rigoler qu'un poissonnier s'appelle Yama, ça veut dire littéralement montagne 8. Et en fait il nous a donné du coup ces tenues là et cette casquette là et ce masque forcément pour cacher un peu notre visage pour qu'on puisse rentrer incognito. Effectivement l'intérieur du marché aux poissons Toyosu c'est totalement interdit au public. Mais grâce au chef poissonnier Sekiguchi-san, aujourd'hui on peut contourner cet interdit et même accéder à une des salles les plus sécurisées. Que vous compreniez, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ces images que j'ai eues du marché, de la salle aux enchères, il n'y en a aucune sur YouTube. Les seules que vous voyez, c'est les gens qui sont dans les trucs de touristes à Toyosu comme ça, et qui sont à l'étage comme ça, et qui peuvent filmer depuis l'étage. Mais ils ne sont pas dans le truc. Des variétés différentes, des choses qu'on connaît. Pareil, le confessionnal, on l'a fait après toute la séquence au marché de poissons. J'avais très peur parce que je voulais pas mettre de trépied, parce que forcément, je voulais pas déranger. J'avais très très peur en fait quand les gens ils bougent, parce qu'en fait, tu te sens tout le temps en train de déranger. Waouh! Attends, il y a des foubous ici. Vous voyez que je suis surpris parce que du coup, forcément, vu qu'on a tourné la séquence de la pêche après, bah oui, si on l'avait tourné avant, j'aurais dit ah, oh, t'as vu, c'est le foubou qu'on a pêché, etc. Mais vu qu'on l'a fait après, bah du coup, ça fait bizarre. Oh, ça c'est exceptionnel ça. On comprend rien. Oui, ils font des signes de main comme ça. Ils font des jutsu. Juste là, ce qu'on peut voir, c'est le sukibiki. Contrairement en France, où on utilise un écailleur pour enlever les écailles du poisson, ici, les poissonniers japonais utilisent juste un couteau et... Laisse tomber. Ça c'était d'une technicité. J'ai proposé aux poissonniers de faire ça, ils m'ont dit... Ça va la petite pression Ouais, je sens un peu que... C'était trop bien, le tablier, il pouvait se clipser comme ça, bref. Ouais, là, c'était le moment, grosse pression. Voilà, typiquement, encore une fois, ça, je l'avais demandé à un employé. Est-ce que, du coup, les poissonniers français, ils peuvent découper un poisson éventuellement, je vous le rachète et tout, machin. Alors là, on m'avait dit, c'est mort. J'ai demandé au patron, il m'a dit, ouais, je vais faire ça. Toujours s'adresser au patron. Avec le talon, je tape, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec le talon. On est des bâtards, on a vraiment mis le pire sound effect pour lui. Il a dit t'es plutôt bon. Ils ont adoré, ils ont pris plein de photos et tout, parce que c'était... Bah, forcément, vous voyez peut-être des créatures qui meurent, mais bien sûr, c'est le cas. Mais pour eux, c'est un savoir-faire, c'est entre guillemets leur travail, ils veulent apprendre, ils veulent se développer par rapport à ça, donc c'était un vrai voyage très intéressant pour eux. Presento, arigato gozaimasu. Il nous l'offre, du coup. Oh non, arigato gozaimasu. Bon, il nous l'a offert. Est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe? Je ne saurais jamais. Je suis très content de ce qu'on a pu avoir en termes d'expérience. Est-ce que vous le sentez, le Louis, là, qui est content de ce qu'on a pu avoir, parce qu'effectivement il a galéré pendant plusieurs semaines voire des mois pour avoir ce genre d'image. Et j'étais content quand j'ai vu la séquence, la vidéo à la fin là, voilà, c'était monstrueux. On arrive à la meilleure partie, enfin la meilleure partie, c'est pas forcément la meilleure partie, mais c'est on arrive à la meilleure partie en tout cas pour nos ventres de la vidéo, la dégustation de sushi. Nous sommes arrivés enfin. L'étape finale, mesdames et messieurs, après tout ce long... Le cadreur a mangé, je tiens à le dire, le cadreur a pu manger du coup la même chose que nous. On voit qu'il y a vraiment un gros savoir-faire sur la découpe, chaque poisson a sa méthode de découpe, des incisions très précises, oh là là. Sur les coquillages... En fait, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur cette partie de vidéo, c'est juste on a bien mangé, j'avais faim, on a bien mangé. Parce que t'avais pas faim après, vous avez pas compris. Je vous ai montré peut-être 20%, 30% du repas, on en pouvait plus, il s'arrête pas tant que t'as pas été calé. Bref, là on a eu le défilé, hein, si vous voulez, à partir de là, l'oursin, tout ça... Bon messieurs, vous en avez pensé quoi?
Bah voilà, écoutez, c'était la vidéo. Alors j'ai plein de trucs à vous dire encore un petit peu. Je suis très content de ne pas avoir lâché, d'avoir eu la vidéo comme ça jusqu'au bout. Pour être tout à fait honnête, elle performe un peu moins que les autres, même si dans le temps je pense qu'elle va bien les rattraper. J'ai beaucoup sympathisé avec Quentin, Arthur, même on va dire tout l'ensemble de la Poisson Riviote, à tel point qu'ils vont lancer leur chaîne YouTube. Voilà, je les ai poussés, donc vous aurez le lien à la fin de dans la description, vous aurez à la fin de la vidéo, là vous pourrez regarder les premières vidéos du coup qu'ils ont faites. C'est très très bien, c'est produit par c'est moi qui leur donne quelques conseils. Vous verrez ça par vous-même, c'est trop stylé. Merci beaucoup à Rodolphe au cadrage et aussi à la post-production, hein, je pense toujours à eux. Emeric et Simon, ils ont bossé comme des malades mentaux. Il y a moi aussi qui a bossé, mais surtout eux, ils ont énormément bossé. Et puis, pour tout vous dire, j'ai encore une idée pour ce format-là, où j'emmène au Japon pour juger. J'en ai encore un, ce sera pas de la nourriture, donc j'ai hâte de sortir ce dernier épisode de la série. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.